Mochera, astronome chargé de recherche au CNRS. Vous avez participé à la réalisation d'instruments astronomiques embarqués à bord de fusées ou de satellites. Alors, ce soir, nous allons voir les alignements de Carnac et chercher à comprendre l'interprétation, la datation, l'astronomie et les mythologies qui sont sous-tendues par ces mégalithes. Alors, donc, au début, vous aurez quelques rappels d'astronomie et ensuite, nous passerons à l'interprétation des alignements de Ménec Ouest, Ménec Est, Kermario, Kerlescan et Petit Ménec. Ce sont les quatre alignements principaux du Ménec. On parlera des cromlechs et ensuite, on finira par les mythologies associées à tous ces alignements. Alors, cette conférence est basée sur trois livres qui ont été publiés aux éditions Actilia Multimédia. Un sur les alignements du Ménec et deux sur les mythologies égyptiennes. Ces deux livres détaillent et expliquent complètement les mythologies, les dessins et tous les monuments de l'Égypte ancienne et le tout par les phénomènes célestes. On parle d'Akhenaton, de Toutankhamon, des pyramides, de tout. Et donc, c'est pour la première fois, vous avez l'interprétation complète des mythologies égyptiennes. Voici les rappels d'astronomie. Alors, dans le ciel, nos anciens avaient remarqué que le Soleil et les planètes décrivaient une ligne fixe dans le ciel que l'on appelle l'écliptique. En fait, cette ligne écliptique, c'est l'intersection du plan du système solaire avec la sphère céleste. Lorsque on regarde le ciel sans les lignes tracées par le logiciel d'astronomie, on voit des étoiles et des planètes. Et nos ancêtres, pour tracer la ligne écliptique, devaient tracer une ligne entre les planètes pour avoir le tracé de l'écliptique. Nous, c'est plus facile. Nous avons le logiciel d'astronomie qui les trace. Alors, comme l'écliptique est reliée au Soleil en permanence, par définition, et comme le Soleil monte et descend au cours de l'année par suite de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'écliptique, l'écliptique va changer à la fois de direction et d'inclinaison au cours de l'année. Par exemple, en mars, elle sera presque verticale et en septembre, elle est très à l'horizontale. Donc c'est bien pratique pour ça, si on fait un dessin de l'écliptique pour savoir à peu près la période de l'année dans laquelle ce dessin a été réalisé. Ensuite, dans le ciel, vous voyez la trace de la Voie lactée, c'est notre galaxie. Notre galaxie, c'est un disque d'étoiles qui comporte 200 milliards d'étoiles et notre Soleil est une de ces étoiles qui se trouve dans le disque. C'est pour cela que nous voyons la Voie lactée, le disque en plan, et donc cette Voie lactée fait le tour du ciel et nous voyons le disque par la tronche. Ici, vous avez la Vénus, le Soleil est couché quelque part par là, et le long de l'écliptique qui est ici, vous avez une sorte de cône de lumière qu'on appelle la lumière zodiacale. C'est dû aux poussières qui sont lâchées par les comètes dans le système solaire et qui sont éclairées par le Soleil et que l'on voit juste avant et juste après le coucher du Soleil. Alors, voici l'écliptique, ici, le long de ça, et voici l'équateur galactique. Et alors, il se trouve que par un fabuleux hasard dû à la fabrication du monde, l'écliptique et la Voie lactée, et l'axe de la Voie lactée, forment un angle de 60 degrés exactement. Et ça avait beaucoup plu à nos ancêtres, parce que le 60 degrés, c'est un des angles des triangles équilatérales. Et donc, ça avait une valeur mythologique très importante chez les anciens. Donc, il faut retenir cette particularité. Ensuite, pour définir la position des étoiles, on utilise, comme pour la Terre, deux coordonnées, l'azimut et la hauteur de l'étoile. Ici, l'azimut, c'est un angle qui est mesuré par rapport à l'horizon nord. Et par exemple, ici, une étoile se lève ou se couche ici avec l'azimut 50 degrés. On utilisera beaucoup cet angle au cours de la conférence.
Alors, autre chose, la latitude. Alors, la latitude, c'est l'angle qui existe sur la Terre entre l'équateur et le lieu sur lequel on se trouve. Et c'était aussi égal à la hauteur du pôle céleste. Par exemple, pour Carnac, la latitude égale la hauteur du pôle céleste du pôle céleste, et donc cette latitude est égale à 47,6 degrés. Au niveau des pyramides en Égypte, la latitude se trouve 30 degrés. Alors, le pôle nord est défini par le centre du cercle que décrit les étoiles avec la rotation de la Terre. Ici, vous avez des poses photographiques et vous voyez la traînée des étoiles qui dessine des cercles autour du centre du pôle nord. Nos ancêtres, pour trouver le pôle nord céleste, mesuraient simplement le centre du cercle, et c'est extrêmement facile, et on peut le faire avec grande précision. Alors, les ancêtres, dans les mythologies anciennes, les Égyptiens aussi, et ainsi les autres peuples, pensaient que les étoiles, c'était les âmes des morts. Et lorsqu'ils se trouvaient autour du pôle, ces âmes ne se couchaient jamais, c'était des étoiles impérissables, et ça représentait la vie éternelle. Donc ils cherchaient à aller vers le pôle pour obtenir la vie éternelle. Autre chose, c'est ce qu'appelle la précession. La Terre est aplatie au pôle et il y a un bourrelet au niveau de l'équateur, ce qui fait que le Soleil et la Lune attirent plus l'équateur que le pôle. Et cela entraîne, comme pour une toupie, un mouvement de précession. Cela veut dire que l'axe de rotation de la Terre se déplace par rapport aux étoiles en décrivant un cône. Ce cône a 48 degrés de valeur au pôle, au sommet. Et à l'heure actuelle, l'axe de rotation de la Terre passe par l'étoile polaire, le pôle nord céleste. Mais comme ça fait un tour en 26 000 ans, dans 12 000 ans, l'étoile Vega qui passe à peu près à la verticale sera à proximité du pôle terrestre. Et le tout se tourne en 26 000 ans. Alors, comme l'axe de rotation de la Terre, ça définit les coordonnées des étoiles, à ce moment-là, au cours du temps, les étoiles changent de direction au moment où elles se lèvent ou elles se couchent. Donc on utilisera beaucoup cette variation d'azimut au cours de la conférence pour trouver la date à laquelle les observations ont été réalisées. Autre chose, il s'est produit en 1054 une explosion d'étoiles, qu'on appelle une supernova, qui a été observée par les Chinois. Et cette supernova est tellement brillante que c'est aussi... qu'elle devient aussi brillante que toutes les étoiles de la galaxie. Cette supernova était visible en plein jour pendant 3 semaines. Et ça a été relaté dans les chroniques chinoises. De nos jours, c'est l'explosion de l'étoile. Il y a des résidus de l'étoile. Ces résidus ont constitué la nébuleuse du crabe, qui a été cataloguée comme Messier 1, parce que M. Messier a créé le premier catalogue de toutes les nébuleuses visibles brillantes, et il a donné le nom M1 à cette nébuleuse du crabe, qui est visible dans le taureau. Or, cette étoile se situe à 6200 années-lumière de notre Soleil. Et avant d'exploser, c'était une étoile très, très brillante et très grosse, de 8 masses solaires, qu'on appelle une supergéante bleue. Et avant d'exploser, elle était instable et elle avait des flashs de lumière. Et ça a intrigué très, très fortement les anciens astronomes. Et ils pensaient que c'était l'âme d'un mort qui venait de décéder récemment, par exemple un chef ou un chaman, lorsqu'elle avait ces flashs de lumière. Et donc, vous allez voir que ça a eu une influence importante dans la réalisation des monuments mégalithiques.
Voilà, maintenant nous allons passer aux interprétations des alignements de Carnac. Alors le premier, c'est les alignements du Ménec. Alors, des alignements, on en trouve partout en Bretagne, mais les plus importants du monde se situent dans la région de Carnac, et c'est l'objet de cette conférence. Il y a quatre alignements principaux, les alignements du Ménec, de Kermario, de Kerlescan et du Petit Ménec. Vous voyez, celui-ci a une longueur de plus de 1,1 km. C'est vraiment très important. Au départ, il y avait environ 3000 menhirs par alignement. La vue des menhirs au sol, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On voit ça qui s'étend à perte de vue et ça donne une impression de bizarre. Et surtout, on se dit, mais comment ont-ils fait pour réaliser ça et les disposer en ligne comme ceci, c'est vraiment ahurissant. Alors, quelques dates. Alors, les mégalithes de Bretagne ont été réalisés à peu près entre moins 5000 et moins 3000. Les pyramides d'Égypte, environ moins 2400. Les Gaulois, c'était plutôt entre moins 2000 et plus 400. Et Jules César, en moins 50. Donc, ça, ce sont quelques dates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps? Nous étions avant 15 000, 10 000, nous étions dans une période glaciaire. Le climat a changé, c'est dû à des variations d'orbite planétaire. Et à partir de 10 000, le temps a changé, il y a eu un réchauffement climatique très important. À ce moment-là, la mer est montée, et dans la région de l'Arc Fertile et en Anatolie, vous aviez des conditions climatiques très favorables. À ce moment-là, les gens d'Anatolie et de l'Arc Fertile se sont mis à inventer l'agriculture, l'élevage et se sont sédentarisés. Avant, c'était des chasseurs-cueilleurs et à partir de 10 000, ils se sont sédentarisés en créant des villages, des villes. Et comme ils étaient sédentarisés, qu'ils avaient de quoi manger, ils ont perfectionné les mythologies qui existaient précédemment dans le monde entier. Et ce sont ces mythologies qui ont été développées en Anatolie, entre moins 10 000 et moins 5 000, qui ont créé toutes les mythologies du monde. Et les gens d'Anatolie ont fait des migrations dans le monde entier et en emportant leur agriculture, leur élevage, leurs chèvres et aussi leur mythologie. Et ils sont allés aussi bien en Égypte qu'au Japon, en Allemagne, ils sont allés jusqu'en Angleterre et partout dans le monde. Alors, vous avez eu deux périodes et deux migrations connues. C'est ici les Cardiers et là les Rubanais. Et ils sont passés par le Châteauneuf-le-Martigues et la Brisse-aux-Roches de ce lieu. Ensuite, ils sont remontés, ils sont allés se réaliser les alignements de Carnac. Voici une photographie aérienne des alignements de Ménec. Alors vous voyez d'abord, il y a 12 rangées de menhirs extrêmement droites. Et vous voyez surtout que les ravages de la civilisation qui ont détruit presque complètement les alignements. Vous avez d'abord ici le village du Ménec qui se trouve dans un cromlech, c'est-à-dire un ovale de menhir. Ici, vous avez la route qui a cassé les rangées 11 et 12, comme ça, la route au milieu, une maison. Avant, il y avait un camping. C'était vraiment catastrophique. Et voici une autre vue plus rapprochée depuis l'ouest vers l'est. Vous voyez d'abord que les menhirs augmentent de taille depuis l'est vers l'ouest. Vous voyez, ici, ils sont tout petits et là, ça monte systématiquement. Alors, déjà, imaginez, là, pour fabriquer ces alignements, il faut d'abord trier tous les menhirs et ensuite les planter dans la terre et les transporter, les planter dans la terre. C'est vraiment un travail extraordinaire. Vous remarquez ici un menhir plus important qu'on appelle le grand menhir et ici, une grande pierre plate qui va servir justement de base pour réaliser les alignements. Voici une photographie aérienne de l'est vers l'ouest. Au fond, vous avez la mer. À l'époque,
il y a 6400 ans, la mer était 6 mètres en dessous du niveau actuel. Et vous avez ici le village du Ménec. Alors, quelques dates. Sous les menhirs, les archéologues ont trouvé du charbon de bois, ils ont trouvé des poteries et des ossements. Alors, tout ça, on peut les dater. Et ils ont trouvé que les datations archéologiques de ces aliments, c'était entre 5000 et 4000. En moyenne, ça tourne autour de 4500. Alors, les autres interprétations, ce sont quelques-unes. Vous avez les pierres laissées par le déluge, par exemple, des supports de tentes des armées romaines, des soldats romains pétrifiés, des processions et labours sacrés est-ouest, bon, et puis des orientations lunisolaires et des observatoires lunaires. Ça, c'est la théorie de Alexander Thom qu'on va revoir. Alors, dans les années 1960, un ingénieur anglais de très haut niveau, qui a pris sa retraite, s'est mis dans la tête d'effectuer les relevés de tous les alignements et mégalithes principaux de Bretagne, d'Angleterre et d'Irlande. Et il a eu la bonne idée de publier tous ces résultats. Donc, il a publié les résultats des alignements de Karnak dans le journal For History of Astronomy, en 1972 avec son fils Thom. Et alors donc c'est un article scientifique de très haut niveau et extrêmement complexe. Parce que comme c'était une personne qui était de haut niveau, il s'est débrouillé de fournir des tables extrêmement compliquées et des données. Et alors pour y arriver, j'ai demandé à un collègue qui s'appelle Bruno Millard qui est directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Marseille, de m'aider. Et nous avons bien travaillé pour arriver à démontrer que les résultats de Thom étaient extrêmement précis et qu'ils permettaient de retrouver avec donc une grande précision la position des menhirs et les directions de toutes les lignes que vous avez vues, les rangées de ces menhirs. Donc c'était extrêmement intéressant de travailler sur cet article. Et c'est ce qui a permis de développer cette théorie et cette conférence ici.